Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Victoria 2 et une paix acquise contre l'Angleterre et ses alliés qui a essayé assez brièvement de me faire une guerre. Très vite, ils ont dû se rendre compte qu'il n'y avait rien à faire. Malheureusement, j'ai pas pu obtenir plus de territoire dans cette guerre. J'ai eu beau attendre de voir si mon chauvinisme augmenterait. Ça s'est pas fait, honnêtement il stagnait, il avait même tendance à diminuer. Donc partant de ce principe, c'était vraiment assez inutile d'insister. J'ai donc dû signer cette paix sans ne rien gagner. Après, c'est pas moi qui avais déclaré la guerre, donc c'est pas non plus un drame. J'ai réussi à ne pas perdre d'argent dans cette guerre. D'ailleurs, j'avais, je crois, oublié de remonter mes dépenses militaires. J'ai fait toute ma guerre comme ça, bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que j'ai gagné. Par contre, ça a dû générer plus de pertes que ça aurait dû. Bon, c'est pas très grave, j'ai gagné, c'est tout ce qui compte. Et la trêve est bientôt signée contre l'Autriche. La trêve, oui, pas bientôt signée, mais elle est bientôt finie. Au mois d'avril 80, donc c'est presque fait. On se dirige donc tout droit vers une autre guerre. Alors là, je vais commencer à détruire mes troupes. Celles qui ne peuvent plus être renforcées. Quand il manque comme ici 4000 hommes, c'est vraiment pas la peine d'attendre. Jamais, enfin jamais. Ça va prendre des mois, voire des années, pour que la province récupère ses 4000 hommes. Donc autant tout de suite détruire l'unité et la renforcer avec des troupes fraîches. Ici je perds un d'artillerie et deux troupes. Alors des troupes j'en ai. Par contre de l'artillerie, je suis pas sûr d'en avoir, très honnêtement. Si, je vais peut-être encore en avoir en rab. Si, si, ça devrait être bon. Bon, je pense que réorganiser mon armée, là, va être assez rapide. En tout cas, je serai prêt pour le mois d'avril. Et tout de suite, on repartira contre l'Autriche. Enfin, contre l'Autriche. Contre des nations italiennes alliées à l'Autriche, donc je pense que l'Autriche suivra. Alors je vais m'empresser de prendre une réforme, je vais essayer d'en trouver une qui est soutenue par un maximum de personnes. C'est pas évident, hein. Je vais prendre les salaires minimums. A priori c'est pas mal soutenu. C'est vrai que ça a pas mal fait baisser ma conscience nationale. Alors ici il va me manquer tout juste 1000 soldats. Ah, ici je peux les rejoindre. Bon, pas mal de casus belli pour les dettes. Honnêtement, c'est tout à fait le genre de guerre qui m'intéresse absolument pas. Ok, donc je trouve que c'est pas mal, on a déjà quasiment tout réorganisé. On va se retrouver avec des armées de 36 000 hommes, comme il faut. Peut-être pas autant que j'aurais voulu d'ailleurs, alors celle-là. Je crois que celle-là je vais la rembarquer aussi. Et je vais doucement aller me placer vers la frontière autrichienne. Et le but étant là de se faire Modène, je pense. On va commencer par ça. Peut-être que j'arriverai à obtenir d'autres casus belli si mon chauvinisme veut bien suivre. Ça, il y a moins... Oh là, j'ai du mal, pardon. Il n'y a rien moins de sûr. Là, j'ai peut-être été un peu fort question artillerie. Ouais.
Bon, bah, il semblerait que ces 5 là, c'est bon. On va s'approcher. Je pense qu'ils vont se douter de quelque chose. Et là, il faut que je fasse le point pour savoir ce qu'il me faut d'autre. De toute façon, il va me falloir de l'infanterie, je pense. Je peux tout de suite me faire 7 d'infanterie. 2, 4, 5. 7 d'infanterie et 3 canons. Je peux les faire en Afrique. Ça évitera que ce soit des Français qui meurent. 2, 3, 4, 5, 6. Je préfère prendre tout sauf des Français. Alors après, il y a plus de chances qu'ils se révoltent. Ouais, je pense que c'est bon, voilà. 10 unités déjà. Donc mes bénéfices repartent largement à la hausse. Mais ça tombe bien, il faut vraiment que je me fasse des réserves d'argent. On a vu que là, ma réserve d'argent, elle a vraiment servi. Elle m'a permis de faire toute la guerre sans remonter les impôts. Alors l'Argentine va bientôt me rejoindre, je pense. Sauf s'il y a quelqu'un qui essaye de me contrer. Elle m'a déjà rejoint, c'est bon. Alors la prochaine nation, je vais prendre la plus grosse que je puisse trouver. En termes d'industrie, pardon. Le Brésil, ça me paraît un peu gros. En plus, ils sont déjà dans la sphère américaine. Je vais passer sur le Pérou. Donc on est en janvier 1880. On va évidemment faire cette science qui va nous permettre d'augmenter la recherche. Et ça devrait pas tarder. Là, il me manque un petit mois pour y arriver. Oh là, je vais fermer les bars, tant pis. Je perdrai brasserie. Je sais plus ce que me donnait brasserie, mais... ouais, tant pis. Alors, je vais continuer à rapprocher les troupes. Je vais me placer là. Je pense que la guerre contre l'Autriche va être intense dans les premiers moments. Et après, ça va être vite plié. Loi bancaire nationale. Intérêt d'emprunt moins 2. Ça peut être intéressant quand même. On peut être amené à avoir des dettes si vraiment on fait des grosses guerres. Alors là, il y a pas mal de... Il y a pas mal d'événements à aller chercher quand même. Il me manque impressionnisme par exemple pour le baron Haussmann. Bon, je vais... déjà je vais prendre celle-là. Celle-là. Loi Blanquer. Qui va diminuer les intérêts. Ouais, pour l'instant évidemment ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque je suis pas endetté dans l'immédiat. Donc ici... point de recherche 100%, c'est évidemment ce que je vais faire en priorité. Je vais quand même finir par baisser un peu les impôts. On est vraiment sur un gros chiffre là en bénéfice. Je vais augmenter les dépenses militaires pour avoir plus de soldats. Augmenter la maintenance ici. Peut-être pas à fond non plus, faut pas exagérer. Ça, je serais tenté de le mettre à fond. On est quand même une nation militaire qui fait la guerre à peu près en permanence. Donc il me faut un maximum d'armées. En attendant que je sois... Je suis toujours en paix, je vais augmenter la vitesse au maximum. Je suis assez pressé de pouvoir justifier ma guerre contre Massa, contre Modène. Le 12 avril. Ok, c'est parti. Conquête.
Est-ce que je peux pas en faire deux à la fois? Non, je crois pas. Non, ce serait trop beau, malheureusement. Victoria 2 est pas un jeu de conquête en soi. C'est pour ça que parfois, l'infamie, c'est vraiment un facteur limitant. Heureusement que j'en ai plus rien à faire de me faire prendre, parce que là, une nouvelle fois, je me suis fait prendre. Dès le premier jour, quasiment. Alors, je crois que pour les colonies, c'est quasiment fini. Sauf ici, peut-être. Tout ça, c'est fini. Ouais. Il reste plus que cette partie-là du monde qui va être vite réglée. Alors, espionnage. Toute classe défavorisée au Congo. Oh, Congo, franchement, je m'en fous un peu. Militantisme, je préfère. Mais honnêtement, le Congo, il y a tellement peu d'habitants, à mon avis. Alors, je vais amener mon bateau en Afrique. Je pense qu'on va avoir quelques transports à faire. Ah, les élections. Ça faisait longtemps, entre guillemets. Alors, ça fait longtemps aussi que j'ai pas regardé mes comment ça s'appelle? Mes focus nationaux. J'ai fait trop d'employés, je pense. Non, c'est combien déjà le chiffre idéal? C'est 4%, donc j'y suis pas tout à fait, mais je vais arrêter quand même, je vais en faire ailleurs. Ici, ça donne quoi? Je vais arrêter de faire des bureaucrates ici. Je vais arrêter de faire des employés ici. Je vais un peu repartir de zéro partout. Je crois qu'avantager l'immigration, ça sert toujours à rien, j'imagine. Ah, peut-être que si. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits ici, par exemple? Je vais essayer d'encourager l'immigration. Pour qu'il y ait plus de Français dans cette province. Il y en a déjà 13%. Non, remarque, c'est déjà plus une colonie, donc ça sert à rien. Je préférerais faire ça sur une colonie. Là, il n'y a pas beaucoup de Français non plus. Je vais essayer d'encourager l'immigration. C'est à zéro, alors je sais pas si c'est quand c'est à zéro. Ça sert à quelque chose d'augmenter. Alors, ...50% de toutes les pop sont... Ouais, je vais prendre ça. Non, ça sert à rien, a priori. Il n'y a peut-être pas moyen d'augmenter la migration. Là, par exemple, je suis à moins 27. Mais tout ça, c'est pas des colonies, c'est des territoires qui m'appartiennent. En fait, il n'y a pas d'immigration dans les colonies. Hein. Ça a l'air d'être une règle, hein. Tout est à zéro, donc... Je vais tester. Après, l'effet se fait peut-être ressentir un peu plus tard. On va attendre un petit peu. J'y crois pas. Alors, ici, évidemment, je vais augmenter le chauvinisme. J'en ai besoin dans mes guerres. Non, ça marche pas. Je sais pas comment améliorer la présence des Français dans mes colonies. C'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais augmenter déjà... L'administration. Et si j'essaye ici, est-ce que ça marche? Moins 30. Alors, ça. Je vais prendre ce qui fait le moins de changement. J'aime pas le changement en général. Plus 27. Ils viennent de Sirte. J'avoue que je sais pas où est Sirte. Ah, c'est pas en français, ça c'est clair.
Non, ça m'intéresse pas, ça. Bon, je sens que je vais retourner faire des employés, hein. Je vais pas me fatiguer. Ici, je vais faire de l'administration, des bureaucrates. On est à 15, j'aimerais bien que ça monte assez vite. Ok. Ici, on est à 100%. Ici, on est qu'à 44. Pareil, je vais faire de l'administration, des bureaucrates. Partout, il y a pas mal de Français. Là, ils sont 12%. C'est pas énorme, mais ça suffit pour faire des bureaucrates. Ici, des employés. Je suis qu'à 0,63 en Bretagne, donc des employés, c'est bien. Et ici, des employés aussi. Pareil, je suis à 0,42, c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est plutôt pas mal. Tension diplomatique, on crée une crise internationale en Transnubie. En Transdanubie, pardon. Le Danube, je sais où c'est, mais la Transdanubie, je ne sais pas où c'est. Ah bah en fait, c'est là. C'est normal. Alors, 5% de Pacifique. Ouais, je prends toujours... Ouais, 5% de Pacifique, ça m'intéresse pas les Pacifiques, moi. Je veux du chauvinisme. Alors, cette crise, qu'est-ce que ça donne? Ce sera donc pour emmerder l'Autriche, principalement. On va voir qui peut les soutenir. Personnellement, j'ai pas trop envie de les soutenir. Ni de soutenir l'Autriche, ni de soutenir la Transdanubie, là. Alors, ça... Ça m'intéresse pas. Et ça, c'est trois fois la même chose, en fait, non? Ah non, non, c'est pas trois fois la même chose. Je vais prendre ça. De plus à approuver laisser-faire, ouais. Ça m'embête là. Personne ne les rejoint visiblement. Ah, j'ai pas envie de perdre de prestige, donc je suis un peu obligé de déclarer. Ah, de déclarer mon intérêt. Ouais, de toute façon. Sauf qu'évidemment, maintenant il va falloir que je choisisse mon camp. Alors là, je prends 10% de plus pour athéisme. 10% de plus pour moralisme. Alors ici. Donc c'est l'Allemagne qui va soutenir la Transdanubie. Et honnêtement, j'ai envie de ne pas intervenir. On va voir ce que vont faire les autres grandes puissances. Mais j'ai absolument pas envie d'intervenir dans ce genre de truc. Alors vite fait, je vais améliorer mes relations avec le Pérou, avec l'Argentine, avec la Suisse, c'est pas vraiment nécessaire. Je vais arrêter d'influencer la Suisse d'ailleurs. Pour me retourner vers un autre pays d'Amérique du Sud. Paraguay maintenant. Ok. Bon, j'attends de voir ce que va donner cette crise. Vraiment. Ça, je peux embarquer. Alors, les socialistes ont vraiment fait une percée il n'y a pas si longtemps que ça. Mais les libéraux restent quand même les plus nombreux. Et c'est les conservateurs réactionnaires qui continuent à avoir la majorité. Même si là, ça s'est joué à peu de choses, en fait. Les Russes soutiennent l'Autriche. Oh là, pourquoi j'ai un tel déficit, là? À mon avis, j'ai pas mal d'usines en...
qui doivent fermer ou je sais pas pour avoir un tel déficit. Ah merde, c'est le changement d'électeur. Je suis passé avec une limitation à 50% des taxes. Ça fait mal quand même. Les orléanistes là. Qu'est-ce qui. Politique économique, impôt maximum 50%, le laisser faire. Ça, c'est un peu hors de question. Je vais repasser sur les. Les bonapartistes, ils sont en politique de guerre, ils sont chauvinisme. Ce qui est pas mal. Les légitimistes, ils sont pro-militaires. Ce qui est pas mal aussi. Les opportunistes antimilitaristes, ça me va pas du tout. Les républicains radicaux antimilitaristes. Les possibilistes pacifisme, ça me va pas. Non, je pense que j'aime bien chauvinisme. Vitesse d'obtention du casus belli, impact de la mobilisation, taux de regain d'organisation. Ce qu'il y a, c'est que les bonapartistes sont conservateurs, eux, ils sont réactionnaires. Dans la population, les conservateurs et les réactionnaires représentent de moins en moins. Dans la population, ils sont quand même 37%. Ouais, ça reste les plus nombreux, hein. Je peux tout à fait prendre des conservateurs réactionnaires. Soit l'un, soit l'autre. Je vais prendre les bonapartistes. Ce qui va me permettre d'augmenter ça et de retrouver l'équilibre économique. C'est vraiment pas possible. Les laisser faire là, c'est violent. Beaucoup trop violent. Question finance. Voilà, je vais me mettre comme ça. Voilà. En plus, ça me permet quand même de bien baisser les impôts. Ça, c'est vraiment pas très élevé. Je vais quand même changer un peu. Équilibrer avec les salaires des militaires. Voilà. Alors, la Belgique a une petite révolution, visiblement. Anarcho-libéraux ont imposé leurs revendications. Du coup, ils n'auront plus d'élections, visiblement, hein. Je sais pas quel genre de gouvernement ils ont. Là, je prends le prestige. Alors, ici, ma colonie est prête. Celle-là, je vais me lancer. Bah, je vais continuer, hein. On est dans les dernières colonies à créer. Par contre, la crise, toujours pas résolue. Visiblement, il y a beaucoup de soutien pour l'Autriche. J'attends de voir ce que va faire l'Angleterre, mais je pense que c'est cuit là. Ouais, ça c'est parfait, ça va booster ma science. Je vais passer sur du militaire un peu, finir ces deux-là. J'ai vraiment envie d'avoir l'ascendant sur l'Autriche le plus rapidement possible, donc il faut que je sois le plus performant technologiquement. Alors, mes armées, là, je vais pouvoir les compléter. Une de plus. J'aurai toujours trop de gardes et trop de sapeurs. Mais en fait, c'est presque bon. Je peux tout de suite refaire une armée. Alors, ce que je vais faire, faut que je fasse un sapeur. Alors, c'est pareil, je vais pas recruter de français. Utiliser le moins possible de français pour les garder comme c'est mes citoyens de première classe, entre guillemets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Autant utiliser les autres au maximum, chair à canon, c'est le principe. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Et je sais toujours pas quel cavalier faire. On m'a dit que les dragons étaient bien mieux. Ils sont 7, 11 en attaque-défense. Manœuvre 4, ouais, peut-être, remarque. Ce qui compte, c'est qu'ils aient un peu de reconnaissance. Je vais faire des dragons à partir de maintenant. Je vais pas faire des français, hein, j'ai dit. Sauf que peut-être que je peux faire que des français, non. Énormément de troupes africaines. Il va falloir que je ramène mes bateaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Paix blanche. La crise est finie. Moi, en tout cas, je vais bientôt pouvoir déclarer la guerre, je pense. Je suis à 75. Je vois que je suis quand même un petit peu en déficit. Là, j'ai peut-être prévu trop serré. Ok, là, c'est mieux. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, en fait. Je suis vraiment bien, je trouve. Avant cette guerre contre l'Autriche, j'espère qu'ils n'ont pas trouvé de nouveaux alliés encombrants. Pays-Bas, Bade, Luc, Modène, Parme, Toscane, ok. Ils n'ont aucune grande nation en alliés, donc c'est parfait. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.